Plusieurs titres, je suis ravi. Pourquoi ? Parce que d'abord, bon, ben, le festival va avoir lieu. Donc ça veut dire qu'on va sortir effectivement de ce confinement et de cette situation qui nous a fait souffrir pendant combien ? 2 ans à peu près, Christophe ? Un an. Et là, bon, ben, j'espère qu'on est sur la bonne route et que ça va s'ouvrir. Et que l'on puisse de nouveau amener nos administrés, et même, je dirais tout à l'heure, au-delà de notre territoire, pour venir fréquenter ce festival qui a acquis ses lettres de noblesse dans les années précédentes et qui, j'espère, montera encore en puissance dans les années à venir. Alors, donc, je suis ravi à ce titre-là, et je suis d'autant plus ravi cette année que dans la programmation, et je remercie ceux qui l'ont organisé, et notamment le service culture, et toi, cher Jérôme, que l'on a fait un festival qui va être délocalisé cette année, qui va commencer par Prégnac. Alors, Prégnac, la symbolique, c'est une des portes d'entrée de notre territoire, tournée vers le Langonnais, comme quoi on ouvre notre culture et l'accès à la culture, pas seulement qu'à nos administrés, mais également à ceux de nos voisins d'à côté, du Sud Gironde, et c'est tout avec grand plaisir qu'on les accueillera. Donc, c'est vrai que c'était important de commencer ici. En plus, bon, il y a ici, ça va se faire sur cet espace-là. C'est un espace naturel sensible. Ah, d'accord. Merveille. Voilà. Une autre petite merveille de Prégnac. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, et le deuxième aura lieu, le deuxième jour aura lieu à Pujol-sur-Siron. Oui. Voilà. Et puis après, les 3 autres jours, on reviendra sur le lieu emblématique de Rions. C'est vrai que multiples raisons, cette présentation prend vraiment un sens important pour nous, puisque tout redémarre. Voilà. Et en tout cas, je sais que vous avez déployé le service culture, Christophe et l'équipe s'est bien mobilisée donc pour organiser ça, et j'espère qu'on aura beaucoup de monde cet été. Enfin, c'est un peu la vocation, hein, c'est l'accès à la culture pour tout le monde. C'est ça, hein, quand même. Ça. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Et puis je vais laisser la parole au maître des séances, qui est notre vice-président à la culture, Jérôme. Merci, monsieur le président. Merci, Jocelyne. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Hervé. Merci, monsieur le maire. Merci, Thomas. C'est bon. Heureusement que j'ai bien réalisé. Donc moi aussi, comme le président, je me réjouis que de nouveau le festival Rêvous puisse se déployer, puisque l'année dernière, en 2020, pour cause de Covid, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc cette année, j'ai envie de dire, on va se retrouver tous pour se retrouver. C'est la formule n'est pas de moi, mais je la trouve très belle cette formule et très parlante. Donc je me permets de la réemployer. Les gens vont pouvoir revenir, se retrouver, reprendre du plaisir, partager des choses ensemble. Et je crois que dans cette période extrêmement compliquée que nous traversons, on en a tous besoin. C'est vraiment essentiel, c'est même vital pour chacun d'entre nous. Pour ma part, je crois que la culture, c'est vraiment son rôle essentiel. C'est créer du lien entre les gens, alors qu'ils soient dans le territoire, à l'extérieur du territoire, qu'importe. L'essentiel, c'est que les gens se retrouvent pour partager des choses. La culture, donc, voyez-vous, c'est le festival symbolique, symptomatique. C'est la locomotive, évidemment, de cette politique-là, mais pas simplement. Et lorsque nous avions commencé à travailler, à réfléchir à une politique culturelle, et nous avons mis en place une politique culturelle, qui est d'ailleurs dans le statut, nous avions déjà évoqué l'idée de diffuser cette culture, cette présence culturelle sur l'ensemble du territoire, notamment avec l'étude publique. C'est ce que nous avons fait l'année dernière, alors un peu malgré nous, parce que c'était la circonstance qui nous a obligés, mais on était contents de rebondir dessus. Et là,
on va pouvoir à la fois être sur la rive gauche et sur la rive droite, être le long du Ciron, de la vie à Pugerol, à Prégnac. Ça, c'est intéressant. Rappelons que dans la compétence culture, il y a aussi la compétence patrimoine. Et par les deux présences à Pugerol et à Prégnac, on va mettre en valeur un moulin, donc un lieu emblématique au bord du Ciron également. Mais tout ça, c'est aussi intéressant. Ça fait partie de l'ensemble. C'est aussi intéressant dans la politique. Du PH par exemple, qui est aussi la valorisation du patrimoine. Donc tout ça, c'est, il y a une forme d'opérance, je trouve, qui m'intéresse beaucoup. Donc je vous invite toutes et tous à réserver vos places, parce qu'il va falloir réserver les places, parce que malheureusement, on a quand même notion de jauge, cette année qu'il faudra, évidemment, oui. Dont il faudra bien sûr tenir compte. Venez nombreux, donc, quelle que soit la rive, quel que soit le lieu, que ce soit à Pugerol, que ce soit à Prégnac, ou que ce soit à Rions, dans la mythique cité médiévale, retrouvons-nous avec grand plaisir à Rouez-vous donc, au mois de juillet 2021. Merci. Bon, un petit mot très rapide, tu l'as indiqué, ruez-vous, on a envie de dire ruez-nous aussi par rapport à la relance du festival. Ce festival, c'est aussi une aventure humaine, hein, quand on regarde bien. Il est vraiment inscrit aujourd'hui dans notre identité, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir le retrouver. Et cette animation décentralisée, je pense que c'est une excellente chose aussi, parce que c'est une démarche qui permet de fédérer et d'agglomérer l'ensemble des parties prenantes, les forces associatives locales, autour justement de Rouez-nous. Et donc je trouve que c'est vraiment une excellente chose. N'oublions pas qu'il se situe aussi à quelques jours du Tour de France. Donc quand même, il faut y songer, parce qu'il peut y avoir des relations de cause à effet, hein, puisqu'on va quand même avoir un peu plus de personnes présentes sur le territoire. Donc c'est un élément qui, j'espère, renforcera aussi l'attractivité. Donc nous, on est ravis au niveau du département, bien sûr, de continuer à vous accompagner. Ça fait partie des festivals emblématiques du département de la Gironde. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir. Le département s'est efforcé dans ces moments difficiles de crise Covid d'essayer malgré tout d'être là, en accompagnement et en soutien, pour faire en sorte que tous les acteurs puissent repartir dans les meilleures conditions possibles. Parce que bien sûr, c'est essentiel pour eux, mais alors c'est essentiel aussi pour nous. Hein. C'est grâce à ça que la vie sociale, tout simplement, le plaisir de vivre ensemble, continuera à fonctionner et à se développer. Donc, bon vent donc, pour ce festival cette année. Merci. 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 Monsieur le maire, il veut dire un petit mot. Très très rapide. Dire que on remercie évidemment le service culture de la CDC, le président Jérôme, on remercie le département aussi qui aide énormément dans ces manifestations-là. Et puis dire juste qu'on est très heureux d'accueillir effectivement pour l'ouverture à Prégnac, parce que c'était une attente aussi de tous les habitants de la CDC d'avoir quelque chose délocalisé. On entend parler de Rouez-vous, qui est vraiment peut-être ciblé sur Rions, mais d'avoir quelque chose et tous les ans délocalisé, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et on est très content évidemment de l'inaugurer comme ça à Prégnac. Donc voilà, la culture est toujours, depuis un an, a été mis à mal, mis de côté, ce qui est peut-être logique pour des raisons sanitaires. En tout cas, on est très très content de recevoir des artistes sur la commune. Donc, merci beaucoup. Merci. Et le chef d'équipe, il a un petit mot à dire. Présentation de programmation. Alors oui, peut-être du programme. Donc ça a déjà été dit, 7, 8, 9, 10, 11 juillet, Prégnac, Pugerol, Rions. Donc ce que je peux dire peut-être sur le programme, c'est que effectivement le festival va monter en puissance avec un début sur le préalable à Prégnac et à Pugerol avec un spectacle et ensuite une soirée d'ouverture qu'on appelle d'ouverture à Rions le vendredi où il y aura 6 spectacles, donc une soirée qui reste quand même plutôt pas intimiste mais qui commence à monter et ensuite le samedi dimanche qui vraiment va dérouler avec, comme d'habitude, beaucoup plus de monde. En tout cas, on est en train d'y travailler, parce que le monde, effectivement, c'est un peu la question cette année, les jauges, par rapport à la crise sanitaire. Là, je crois qu'on est sur la bonne voie pour dire qu'on a réussi à atteindre à peu près les jauges qu'on avait fait, en tout cas le public qu'on avait accueilli la dernière fois, un petit peu moins, mais pas loin, donc on devrait y arriver. Par contre, on va limiter strictement à cette jauge-là, donc on ne dépassera pas cette année, c'est sûr, ce qui est prévu. Voilà. Pour la programmation, ben, en fait, on retrouve les ingrédients qui ont fait que Rouez-vous voilà, à ce succès-là, des spectacles très variés, un fort, on va dire, intérêt pour le théâtre, mais aussi du cirque, de la danse, des arts plastiques, un peu de musique. C'est vrai que la particularité cette année, c'est qu'on finissait toujours par un concert final
clôturer les soirées de manière festive. Et voilà, cette année, la fête sera moins au rendez-vous. Mais il y aura quand même de la musique avec plutôt des BD-concerts. Donc images et musique, plutôt en version assis, écoute et voilà. Donc pas en mode festif comme on a connu en fin de soirée à Rions, mais bon, ça sera pour l'année prochaine, certainement. Voilà pour la programmation. Voilà. Est-ce que je peux dire le programme? Oui, l'association Musarène qui est toujours mobilisée. Donc on attend à peu près une centaine de bénévoles, hein, c'est ce qu'il y avait les fois précédentes. Là, c'est en très bonne voie. Les gens se remobilisent. Maintenant il va falloir se remettre au travail parce qu'il reste très peu de temps, mais comme tout le monde. Mais en tout cas, les gens seront présents, seront là. Il y a une envie, vous l'avez dit au début, il y a une envie de mobilisation. Et de, voilà. Donc le festival aura bien lieu, il ne sera peut-être pas comme on l'a connu, de par voilà, le manque de concerts, de par aussi une décoration qui sera beaucoup plus réduite. De fait, enfin, d'une préparation réduite aussi, hein, on a commencé très très tard la préparation. Donc, mais en tout cas, l'essentiel était vraiment d'être là, que le public soit là, que les artistes aussi soient présents, parce qu'ils sont eux-mêmes sont très en difficulté, certains, hein, notamment dans les arts de la rue. Il y a une année blanche, mais là on part sur la deuxième. Il y a beaucoup de festivals qui sont encore annulés et d'événements qui sont annulés cette année. Donc c'était aussi une volonté de soutenir la création artistique et de maintenir ce projet-là. Donc tout le monde sera là, tous les ingrédients seront là. Et...